J'espère juste que ma caméra elle est en focus parce que alors là, j'en peux plus. Salut tout le monde! Bienvenue sur ma chaîne encore une fois. I'm not done yet, or just getting started yet. You thought I would let it go. You know how I love to show. You wanna be cool, I know I could show you. You wanna fit in, but still doesn't want to fit in. Hello tout le monde, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, moi je vais super bien, merci de demander. Je vous retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo et je suis super contente. Alors aujourd'hui les filles, oui j'ai changé de coiffure, non tu ne rêves pas, oui encore. Je sais pas si vous vous souvenez, dans ma dernière vidéo, je vous ai parlé d'un site de perruques que j'aimais bien et je vous ai dit qu'il y en avait que deux sur tous les sites de perruques. Que vraiment j'ai kiffé, que vraiment je vous conseille et que vraiment voilà, j'aime bien. C'est pour les deux sites, la deuxième fois qu'ils m'envoient des perruques. Donc je valide. Donc la perruque que je porte aujourd'hui me vient de chez Elwigs. C'est la deuxième fois donc que je reçois une perruque de leur part. J'approuve totalement. Si j'aime pas, je ne porte pas, ou alors je porte, mais alors en tout cas je n'advertise pas. Parce que tout simplement je ne fais pas de la fausse pub. Si c'est pas d'une bonne qualité, et ben ça m'intéresse pas d'en parler. Donc voilà, c'est dans le deal, tout est clair, tout est net. Yeah. Du coup voilà, j'ai été super intelligente, je vous ai fait une petite vidéo avant. Ok, parce que comme vous pouvez le constater, cette perruque, je l'ai déjà portée. Du coup je vous laisse avec la vidéo et je vous retrouve tout de suite après. Alors voici le colis, donc la perruque est à l'intérieur, voici comment se présente le colis quand on le reçoit. Voilà ma perruque. Donc comme je vous l'ai dit et redit, cette perruque me vient tout droit du site Elwigs. Deuxième fois qu'il m'envoie une perruque. Donc comme je vous ai souvent dit, moi j'adore le 22 pouces quand j'ai pas d'inspi, quand j'ai pas de raison d'aller plus haut ou plus bas. Je prends du 22 pouces, donc voilà, avec ses jolies bouclettes. Donc là on a les peignes qui sont mes meilleurs copains, parce que vous savez toutes que je ne colle plus mes wigs. Donc je vais m'aider des peignes et aussi de ces deux crochets pour faire bien tenir ma perruque. Aussi vous constaterez que la lisse est très claire et on adore, elle est presque transparente là pour le coup. Donc on adore. Ce qui est chouette là pour le coup, c'est que ça va super vite quand tu colles pas ta wig. Tu as juste à couper la lisse qui dépasse, attacher, donc crocher avec les peignes et avec les crochets. Et après, c'est une question de finition. Hein, genre, tu fais des bébières ou tu les fais pas. Et c'est fait quoi. Bon, là, je me suis pas donné la peine de les faire, mais vous avez compris le truc. Bon, là, j'ai pas collé ma perruque. Vous savez que je ne colle plus mes perruques. Donc s'il y a des trucs pas nets que vous voyez à travers votre écran, eh bien excusez-moi, je ne suis pas du tout ready. C'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui avec moi. Sauf que, on va pas seulement faire ça, on va aussi parler des rumeurs, de vos premières impressions. Ce que je vais faire pour éviter que, comme d'habitude, je parle plus que, tu vois, que je m'active sur le make-up, je vais commencer par me maquiller un petit peu, voilà, je vais vous raconter ma life et puis on arrivera gentiment sur les produits que j'utilise. J'ai pas vraiment grand chose à vous montrer. I'm keeping it real right now. J'ai vraiment pas grand chose à vous montrer. Pourquoi? Parce que j'ai pas vraiment updaté mon maquillage depuis un petit moment. En ce moment, c'est pas ma priorité d'acheter du maquillage. J'adore le maquillage, mais je pense que j'en ai suffisamment là. Suffisamment, même peut-être un peu trop. C'est toujours la même chose. Si vous voulez savoir les produits que j'utilise, je vous laisse gentiment vous diriger sur une de mes dernières vidéos make-up. Ça sera plus rapide. S'embêter plus hein. Donc là clairement j'éclaircis juste mes paupières, vraiment à la one again. Ma peau elle est, je la comprends pas en ce moment, ma peau. Il y en a encore qui me demandent mon secret pour une peau si claire, si cool, si nanana, mais je vous jure ma peau elle a rien de, enfin I don't know what's going on. Ok, j'ai mes extensions de cils qui ont plus envie là, clairement ils ont plus envie. Je déteste ce pinceau. En fait, tout va se jouer sur le lead. J'avoue, je fais trop la meuf, je suis même pas sûre qu'on appelle ça comme ça. Mais tout va jouer sur le centre de la paupière. Orange, violet, on mélange le tout. J'ai vraiment besoin d'un conseil pour ma peau là.
J'arrive plus trop à vlogger en ce moment, je sais pas pourquoi. Je sais pas. Je sais que vous aimez beaucoup les vlogs en plus, ça m'embête. Moi aussi, à la base, j'aime bien vlogger. C'est vrai que ces derniers temps, j'ai l'impression que les vlogs... Je sais pas, j'arrive plus. Peut-être que c'est juste c'est une période, hein. Je pense que c'est une période. Déjà, en Suisse, il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup d'influenceurs, il n'y a pas beaucoup de youtubeurs et tout ça. Donc c'est pas encore quelque chose de très commun. Il y a le fait que pas tout le monde autour de toi comprend le délire, tu vois, des fois t'es clairement toute seule dans ton délire. C'est un peu difficile de leur vendre le truc quoi, parce que c'est tellement pas le délire, tu vois, c'est tellement pas leur truc. Et je comprends tellement, j'en veux vraiment à personne. Mais juste pour vous dire, ça a jamais vraiment dérangé personne. Il faut vraiment être dans le délire en fait pour comprendre. Et quand tu l'es pas, ou bien quand t'es avec des gens qui sont pas forcément dans le délire, bah c'est pas très simple quoi. Vraiment, c'est pas simple. Regardez pas ma palette, elle est dégueu, mais je vais faire cette couleur. It seems fun and I want to have fun tonight. Même si c'est 22h passé. Je suis un peu une sorte de Hannah Montana. Je sais pas si vous connaissez Hannah. Oui, vous connaissez Hannah Montana, bien sûr, vous connaissez Hannah Montana. Si vous connaissez pas Hannah Montana, franchement, je vous parle plus. Ok, je crois qu'on a un joli début là. Loin d'être fini, mais du coup, on va attaquer les opinions et les rumeurs. Hein, parce que bon, il y a un moment donné, il faut se lancer. Tu as l'air trop possessive avec ton mec. Tu l'es vraiment? Point d'interrogation. Alors, possessive, pas du tout. Après, c'est clair que ce qui est à moi, bitch. Non, je rigole. Tu m'as l'air hyper gentille, drôle, un peu chiante avec ton entourage. Entre parenthèses, tu aimes bien embêter. Girl! T'as tout à fait raison. Écoute, c'est vrai qu'il paraît que je suis chiante. Mais moi, je dirais plus... Moi, je dirais plus que je suis attachante. Mais c'est vrai que je suis chiante. Mais je suis un bon chiante, tu vois. Enfin, je veux des bisous, je veux des câlins. Enfin, voilà. T'as compris le deal, quoi. Tu vois, c'est le genre de chiante qui te manque un peu, tu vois. Pétillante! Really? Franchement, écoute, pétillante. Ouais, je pense que je suis pétillante. Ça m'énerve parce que j'ai l'impression que je me jette des fleurs. Mais je te jure, c'est vrai, je suis pétillante. J'aime bien apporter de la bonne humeur. J'aime bien apporter un peu... de la détente un peu, des rires, des trucs comme ça. Moi j'aime pas arriver dans un endroit puis être là dans mon coin et puis genre salut, ça va? Ouais. Tu as honte de tes origines, entre parenthèses, à force de te suivre je vois que c'est tout le contraire, cœur. Si j'avais jamais fait de snap en train de chanter des chansons de mon pays en ma langue ou en parlant en ma langue, enfin si je le faisais pas, tant que je vous le montre pas, ça veut dire que c'est ça. Mais pas du tout en fait. C'est pas parce que vous le voyez pas que c'est pas le cas en fait. Genre, je suis totalement fière de mes origines. J'ai pas du tout honte à avoir. Et j'assume totalement mes origines en fait. Donc, bon, du coup, tu as bien vu, merci. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du mascara dans mes extensions de cils. Parce que de toute façon, là, il m'en reste clairement 10 sur chaque œil. Donc. Au début, je pensais que tu étais une youtubeuse anglaise ou américaine. Mais ça m'étonnerait pas que ce soit aussi parce que je faisais beaucoup de vlogs à l'époque en anglais. Mais non, pas du tout, je suis suisse, d'origine congolaise et angolaise. On va faire le teint là tout de suite, là maintenant. Et Dieu seul sait comme j'aime faire le teint. Il me reste un peu du Dior, donc c'est ce que je mets en ce moment. Au niveau de la teinte, c'est pas tout à fait ça. Mais j'arrive à faire quelque chose avec un peu de tout, je fais un peu de mélange. Après, c'est pas... Il n'y a pas une grosse différence avec ma teinte, donc ça va. C'est juste qu'il est vachement orange. Ouais, là, clairement, tu vois, ça sort super clair, ça sort super orange. Purée, mais là, c'est abusé comment ça a l'air super clair. Mais vous allez voir, on paraît combien qu'on va réussir à rattraper le truc. On va rattraper le truc, les filles, vous inquiétez pas. Tu as l'air d'être une fausse calme. Une fausse calme, ça veut dire que j'ai l'air calme, mais en fait, je ne le suis pas du tout. Je sais même pas à quel moment j'ai l'air calme. Je sais pas. Je suis quelqu'un de douce. Mais même quand je te parle au début, tu sais que je suis pas calme. Je sais pas vraiment si j'ai réussi à attraper le truc, genre, really, really.
Mais en tout cas, j'aurais vraiment fait de mon mieux quoi. Hein, parce que la meuf qui se tartine du fond de teint jusqu'au cou là, je suis presque sur ma poitrine. Donc clairement, je vais prendre une troisième douche aujourd'hui. Des fois, avec mon pinceau, j'ai l'impression que ça laisse des traces de pinceau. Je sais pas comment vous dire. Donc la parano que je suis va repasser un petit coup avec le Beauty Blender. Tu es quelqu'un de bien, ça se lit sur ton visage, même comme tu ris mal. Comme tu ris mal, je suis trop fan de toi. Oh, trop chou. C'est vrai que je rigole trop mal. Des fois, ça peut être gênant, genre pour mon mec, quand on est en public et je rigole, c'est vrai que ça peut être très gênant. En fait, j'aime tellement rire que quand je rigole, c'est le seul moment où je me calcule pas, tu vois. Je me laisse complètement rire, en fait. J'y vais à fond. Bah du coup, écoute, merci. Et le gros challenge, c'est de rester fidèle à soi-même. C'est de rester soi-même, c'est de pas sortir de ses gonds, c'est de se contrôler, c'est de pas laisser les gens t'atteindre. C'est dur, c'est dur. Ensuite, tu es naturelle, accessible, tu vas trouver ça bizarre, mais je te considère comme ma soeur. Oh, alors ça, c'est trop mignon. J'essaye pas de me vendre en tant que telle, mais après, s'il y en a qui voient ça en moi, bah, ça peut que me faire plaisir. Ça fout quand même un peu la pression, parce que je me dis, bah, t'es quand même une sorte de modèle. Je suis pas en train d'affirmer que je le suis, mais clairement, s'il y a des gens qui me regardent comme ça et qui s'identifient un peu à moi, bah, tu vois, ça fait que je dois pas les décevoir. Je dois faire attention à ce que je dis, je dois faire attention à comment je parle. J'ai pas envie de faire passer le mauvais message, quoi. J'ai envie qu'on se comprenne bien, 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 en fait. Tant que vous êtes consciente que je ne suis pas parfaite, moi, ça me va. Je suis vraiment loin, loin d'être parfaite. Eh ben, moi, ça me va. Ça me va. We can keep going. Très posée, très femme douce à la fois. Franche, que tu t'exprimes bien aussi avec classe. C'est super gentil. Vous me flattez, là. Vous essayez de me flatter, en fait. Hein. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Je suis un peu gnangnan. Et bah c'est vrai que ça fait de moi quelqu'un de douce. C'est vrai que moi je suis quelqu'un, genre je vais voir ma maman, je vais lui faire je veux des bisous. Elle va me faire des bisous. Je vais voir mon papa, je vais lui dire mon papa d'amour que j'aime de tout mon cœur. Je vais voir mon chéri après une longue journée, je vais lui dire mon bibi d'amour, tu me fais un bisou. Enfin, voilà quoi, c'est vrai que je suis je suis grave gnangnan. Voilà, clairement, je suis gnangnan. Donc ouais, douce, oui. Il y en a presque fini. Qu'est-ce que tu veux, Siri? Qu'est-ce que tu veux? Je t'ai pas parlé en fait. Merci. Ah oui, un truc, c'est que moi je garde pas la banana powder comme ça sur mon front. Enfin, en général, ça m'arrive de le faire des fois quand je me prépare pour aller en soirée, tout ça. Ça me donne un peu le temps de faire d'autres choses pendant que ça bake. Mais là, clairement, j'ai pas le temps. Là, clairement, la vérité, c'est que je partirai en mode nude. J'ai envie d'être un peu folle, donc je vais mettre le Huda Beauty. Franchement, ma caméra, je vais bientôt l'acheter par la fenêtre. Parce que là, elle me dit que j'ai plus de batterie. Et it doesn't make sense parce que ça fait même pas une heure que je filme. Donc, shut the fuck up. J'ai l'air d'une pin-up. Tada! Je crois que c'est tout pour ces messages. Je pense avoir lu en tout cas tous ceux que j'avais sélectionnés. Je vous remercie du fond du cœur pour votre participation. Si vous avez kiffé, écoutez, on en refera plein. J'adore me maquiller, donc pourquoi pas faire plein de tutos avec vous. Ce sera avec plaisir. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une bonne nuit, une bonne journée si tu la regardes la journée, une bonne après-midi, tu connais la chanson. Allez, peace.